Salam alaikum, bonjour. Voilà, je suis à l'hôpital, on est à la Pitié-Salpêtrière en neurochirurgie. Qu'est-ce que je peux vous dire? On n'a pas dormi de la nuit. On n'a pas dormi de la nuit. Là, on est venu voir pour négocier avec eux comment on peut faire. Est-ce qu'il y a un moyen, il y a un moyen de la faire rentrer en urgence? Il est toujours utile qu'il nous manque 12 000, astaghfirullah ya Rabbi, 16 882 euros. Par rapport à l'appel qu'on a fait chez Vanessa hier, on n'a eu que 4 appels. J'espère que vous allez vous mobiliser. On a créé des groupes, on fait tout le nécessaire, mais s'il vous plaît, on n'a pas envie de perdre cette maman, l'Okhti Jamila, qui est très jeune et qui a des enfants de bas âge qui sont en Algérie. Elle est avec nous, on attend juste votre aide pour la faire opérer. Et on vous tiendra au courant au moment voulu. Non, on est venu voir, Inch'Allah, ils vont nous donner un rendez-vous, mais comme on n'a pas la somme complète, je ne sais pas comment ça va se passer. Merci beaucoup, appelez-moi au 06 30 76 91 54. S'il vous plaît, pas sérieux, s'abstenir. Les gens de l'Algérie, ça ne sert à rien de cliquer que vous allez participer, parce que vous êtes loin, vous ne pouvez pas, mais par contre, on a un point en Algérie, vous pouvez participer, même avec les dinars, on pourra les convertir. Vous pouvez nous aider dans n'importe quel pays où vous êtes. Toute monnaie est acceptable. On appelle toutes les communautés, toutes les religions. Yartekoum saha, barakallahu fikoum. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur. M'en voulez pas, je suis épuisée, épuisée, épuisée. Merci beaucoup. Au revoir.